Urgence. Ils entendent soudain la clé dans la serrure et la porte d'entrée s'ouvrir. Elle n'a que le temps de passer un peignoir. Elle embrasse son mari avec dans la bouche le sperme de son amant. Aglaé. Son prénom lui semble si ridicule que depuis sa puberté, elle compense par une activité sexuelle débridée, pense-t-elle. Ses paroles font peur aux hommes, ses pratiques les éloignent, tant elle exprime son plaisir avec une puissance sonore au-delà du raisonnable. Pourtant, malgré sa liberté affichée, sa tolérance ne va jamais au-delà d'un doigt dans le cul. Exposition. Il est mal vu lorsqu'on exerce la profession de maître-nageur d'avoir des érections spontanées. Elles sont pourtant, comme chacun sait, incontrôlables, ce qui rend parfois les maîtres-nageurs taciturnes ou, dans le pire des cas, impuissants. Maja desnuda. S'éventant mollement le visage, elle saisit avec sur les lèvres une moue de léger dégoût, reposant de fait l'éventail sur le livre ouvert là et donnant à son geste la motivation nécessaire pour qu'il semble désiré, elle saisit d'un geste délicat le bout de la verge déjà gonflée entre deux doigts et le masse d'un flegme terriblement sensuel, sans autre geste que celui-ci, lent et précis, faisant régulièrement glisser son pouce sur le bout de la verge jusqu'à en obtenir le jaillissement attendu. Ensuite, doigt essuyé contre le drap, elle reprend son éventail et se replonge dans la lecture de l'anthropologie de l'oralité chez le peuple Dogon. Sex machine. Tandis qu'il pratique entre ses cuisses largement écartées, elle pense que parfois, les hommes ont tendance à confondre le clitoris avec le bouton d'une machine en panne qu'ils essaient désespérément de faire démarrer. Elle, comme pour se venger, ou dans une prière muette pour lui demander de cesser, lui enfonce les ongles dans le dos, accréditant chez lui l'idée que la pratique lui plaît. C'est inespéré, pense-t-il encore. Elle en redemande, ça va être grandiose. Il saisit alors la peau la plus tendre à l'intérieur de la cuisse et la mord jusqu'à laisser la marque des dents imprimée dans la chair délicate. La gifle qu'elle lui envoie le propulse d'un cran vers le bonheur absolu. Il griffe les fesses au sang, le sursaut du corps le ravit. Elle crie « Arrête !» il entend encore. Elle crie doucement, il entend plus fort. Il bande de plus en plus, elle est au bord de la panique. Quand il ouvre le tiroir et qu'elle le voit sortir des menottes, elle lui casse la lampe de chevet sur la tête. Elle est en plein délire érotique, elle n'a plus de limite, pense-t-il, en essayant de l'attacher au barreau du lit. L'idée commence à l'effleurer que quelque chose cloche, quand dans la mêlée des corps, elle lui broie les testicules d'une main tandis que de l'autre, elle lui tire les cheveux et lui cogne la tête contre le mur. Mais il n'est plus vraiment en capacité de penser, concentré sur l'extrême douleur qui irradie de son bas-ventre. Après quelques minutes de calme, il constate en essayant tant bien que mal de reprendre son souffle que c'est lui qui est menotté au lit et qu'il est seul dans la pièce. Elle ne tarde pas à revenir, elle est nue, elle est belle, elle tient un couteau à la main. Jean-Pierre. Il habite un studio au-dessus de celui habité par la maîtresse de Jean-Pierre. Il ne connaît pas Jean-Pierre, ne l'a jamais vu. Mais il entend hurler son nom des dizaines de fois dans la nuit, des centaines de fois par semaine, des milliers de fois depuis qu'il est là. Jean-Pierre est un grand fornicateur. Sa compagne ne crache pas non plus dans la soupe. L'immeuble est ancien, les plafonds sont minces et la cage d'escalier doit servir de caisse de résonance. Trois ou quatre nuits par semaine, il entend hurler le prénom de Jean-Pierre dans des crescendos de plaisir, des volutes sonores qui se déploient et enflent sans fin, occupent l'espace de la nuit dans l'indifférence au bien-être d'autrui. Lesquels crescendos, hélas, ne mettent longtemps avant de retomber et d'aboutir au silence. Là, pendant des heures, ce ne sont que des Jean-Pierre à perte d'ouïe, avec de loin en loin quelques « oh oui » et quelques « encore », comme si déjà cela ne suffisait pas, comme si Jean-Pierre avait besoin de ses encouragements. Apparemment non, il n'en a pas le moindre besoin, les choses sont claires, mais elle lui envoie quand même, ça doit flatter son égo d'hétérosexuel de base et l'aider à prolonger le coït, le cercle est tellement vicieux qu'il semble sans fin. Quant à ce Jean-Pierre, oui, il aimerait bien lui dire deux mots un de ces jours, parce qu'enfin, va écouter Miles Davis, toi, après ça. Phéromone.
Il y a une corrélation évidente entre la sensualité que dégage une femme et le métier qu'elle exerce. Ainsi, par exemple, les bibliothécaires spécialisés en jeunesse sont parmi les femmes les moins sensuelles au monde. Strate. De certaines amoureuses, j'aurais voulu ne jamais voir le corps. Repousser toujours à plus tard le dévoilement de la nudité complète et rester dans la fébrilité parfois maladroite des étreintes de coton. Mademoiselle Hippomée. Mademoiselle Hippomée garde ses chaussures à talons jusqu'à 22h. Tous les soirs, jusqu'à 22h, il l'entend marteler le sol d'un bout à l'autre de son appartement. Elle a une démarche puissante, Mademoiselle Hippomée, et qui ne colle pas avec son prénom. Mais il prendrait mal qu'elle chaussât des pantoufles à 20h, ça ne se passerait pas comme ça. Il lui arrive de se déplacer en même temps qu'elle et d'établir une cartographie de ses mouvements. Par exemple, hier, à 21h09, elle s'est rendue dans la salle de bain pour une durée de 20 minutes. Elle devait se démaquiller. Il a ainsi l'impression de la suivre et de goûter au petit frisson de la transgression. Le seul inconvénient à tout cela, finalement, c'est l'opacité du plafond.